plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale, bien particulière, comme on n'a jamais fait. Gros concept, ça rigole pas. C'est pas un excellent projet, mais au moins, c'est un truc qui va faire délirer. Donc, faut savoir, pendant 24 heures avec Nabil et Edra, on va se retrouver dans un 4 camions, exactement 19 heures, mais c'est quand même long. On va compter ça pour une journée. Et on va voir comment ça va donner nos changements d'état d'humeur avec la fatigue et tout. Ça va être un réel bordel, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Donc, pour cette vidéo, un max de pouces bleus pour aussi. C'est parti pour combien? 24 heures de route là? 24 heures de route. On va traverser la France, de Paris, on va aller jusqu'en Suisse. Et ensuite on repart jusqu'à Brest et après on revient jusqu'à Paris. Vas-y, on va mourir. On est déjà mort. Regardez, là, il fait nuit, on est vendredi soir, on décolle. Tu peux conduire avec le permis? Bien sûr, tu peux. T'as le permis? Bah oui. Bah oui, tu peux. Juste le permis voiture. T'as déjà conduit un camion comme ça? Et dans GTA, t'as déjà conduit un camion comme ça? Ouais. Ah bah c'est bon. Bah c'est bon. Tranquille, au calme. Voilà. Et voilà le troisième participant, t'as le permis? Non. Moi je sais conduire que les vélos. C'est parti pour 24 heures de route, je passe 24 heures sur la route avec les deux jumeaux Hansel et Gretel. Avec Tic et Tac. Ah, Tic et Tac. Toi tu penses que tu vas tenir en vrai? T'as voir la bouffe, t'as pris quoi comme bouffe? Ah, il faut des réserves. Vas-y, regarde. Bien sûr, je vais tenir 24 heures de route. Bien sûr. Nabil, regarde. Ouais. Des chips. Qu'est-ce que t'as fait? Ça a explosé. Des chips? Ouais. J'ai dit à Kenny d'aller faire des courses pour la route parce qu'on va crever de faim, tu vois. Des sandwichs, jambon fromage. Ah, et puis moi je mange quoi? Du jambon? Ah, mais... T'as pris que du jambon? Ah, j'avais oublié ça. Je te prendrai des trucs à la station. Vas-y, on s'arrête à la station. Dégustation de jambon. Ah, il y a du chip. Il y a fromage. En mode, c'est un sandwich au thon. Il y a des schtroumpfs. Bah, c'est pas grave. Donc là, on est parti, on va décoller. C'est parti pour 24 heures de route, la famille. 1, 2, 3, let's go. Donc, Kenny, il avait mal au ventre, on arrête au bout de 20 minutes. On arrive à la station, il a acheté une boule rebondissante pour 2 euros, un vrai gamin. Bon, bref, il me devait un sandwich, j'ai pris un sandwich au saumon, un au thon, et puis un café au lait pour la route. Attends, toi là. J'aurais vraiment une balle de basket en vrai. Ça va, il est là. La ville. J'aurais pas dû ramener mon ballon de basket. T'aurais dû dormir dans le camion. Ça, mon daron, il vient d'en faire. Donc voilà, on est à la frontière suisse. On a fait 4 heures de route déjà sur les 24 heures. On a perdu en chemin Hydra. Donc ce qui s'est passé, je vous expliquais. On s'arrêtait. T'as du brouillard et tout, mec. Oh, c'est un vrai. Oh, c'est la brume. Et là, je regardez. Attends, dans 1 km. Tournez à gauche sur D437. Ouais, t'inquiète pas. Tapez D437 sur Google Maps, vous allez voir où exactement où on est pendant la vidéo. Bref, sensation. Donc, on a perdu Hydra sur la route. Attends, je vais demander à Kenny. Voilà, Kenny, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me faire un petit débrief? Bon, on est parti à la station essence. Ouais. On a mis de l'essence dans le camion. Lui, il est parti chercher à manger. Nous, on est parti aux toilettes. Non. Oui, non, bref, on a fait l'inverse. Et en rentrant, quand on a payé tout, genre, Hydra, il était pas sorti des chiottes. Et il s'est passé que. Qu'on est parti, on a commencé à prendre 30 minutes de route. Mais au bout des 30 minutes de route où je t'ai proposé un sandwich, on s'est aperçu qu'il était pas là. Voilà. Tournez à gauche sur D437. Attends, faut que je conduise avec mes deux mains. Donc là, on est à côté de Sarrajoie, Mout. Une ville s'appelle Mout. Ah, Val de Mout. Regardez, Val de Mout. Waouh, les gens ont des chalets ici. Donc on est à côté de la frontière suisse. Hein. T'imagines, on a ça rajoute à cette ville, les pauvres biscuits. Tu sais, mais le pire du pire, tu sais que quand j'étais petit, je suis déjà venu ici. Hein. Si ça va, ça rajoute à Mout. Si ça, c'est pour ça qu'on a des continuez gens tout droit chaîne, pendant 20 minutes jusqu'à route de Saint-Laurent. Ah oui, ils ont pas internet ici. Donc on a la, on est. Toi, quand je vais la campagne, bah nous on a la campagne de la campagne. Les gens ils ont pas internet ici, frère. Quand tu sors du brouillard, en fait, en vrai, tu sors d'une dimension parallèle. Voilà. On a croisé aucun signe de vie. C'est vrai, tu vois. Il y a personne, regardez, il y a personne. C'est vrai, on a pas vu une voiture, rien. Il y a rien, mais les gens ils ont pas de voiture ici. C'est que tu tombes en panne ici, ça devient un film d'horreur. Mec, tu tombes en panne, t'appelles l'assurance. L'assurance, ils vont dire oui, monsieur, écoutez, vous êtes dans une zone non localisée. Veuillez vous mettre dans une zone localisée. Attends, t'as pas vu le film où c'est déjà, ils tombent en panne dans la neige. Et il se retrouve dans un manoir hanté, genre de nuit. Et dedans, il y a des monstres chelous. C'est toi qui m'avais fait regarder ça, je crois, en plus. C'est pas Chitane, non. Non, un autre truc bizarre. C'est des mecs normaux, des mecs baisés dans leur tête. Je sais pas, ils sont chelous. En tout cas, si jamais on croise un manoir, un truc comme ça, ça dit, on s'arrête et puis on essaie de regarder s'il y a quelque chose.
la famille, ce qu'on va faire. On va continuer à rouler tranquillou, hein, d'accord. Donc, on va peut-être faire une pause tout à l'heure. Et puis, on fera un débrief sur les 4 heures de route qu'on a fait. On est déjà arrivé vers la Suisse. Voilà, ça rajoute. Donc, c'est la joie ici. Hein. Regardez, il n'y a personne, c'est mort. C'est carrément, si je klaxonne, demain, il faut un article dans le journal Fait Divers. 2 coups de klaxon à 3 heures du matin. Oulala, donc, et après, on repart à Brest. Donc, on a de la route. Il faut qu'on se repose. Et puis voilà, à plus tard. Voilà, donc là on se bat contre une arène dans une ville paumée. Mes Pokémon sont 10 fois plus forts que lui, lui il m'a fait chier, 3 attaques, il est pas mort, donc je lance mon attaque spéciale. Voilà, one shot, je suis toujours mon premier Pokémon, il a pas perdu la moitié de sa vie. Alors tac, excellent travail, tu as conquis cette arène. Merci, c'est un plaisir. Ouais mais c'est pas bien parce que là on est dans le trou du cul de la France. Et ça se trouve c'est un petit l'arène, toi tu es en train de t'en... Bah s'il veut récupérer l'arène, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Bah il part en vacances à Paris, il va chercher de vrais Pokémon. Hein. Nique ta mère, fils de... Attends, maintenant je pose mon Pokémon, comme l'arène elle a moi. Allez, je leur laisse une chance, j'ai mon Pokémon le plus fort. Oh le bâtard. Je voulais revenir à un truc, on a plus d'essence. Ouais. La carte elle passe pas, le plafond il était dépassé, on est bloqué. C'est de ta faute ça. Non, c'est pas de ma faute, c'est ta faute. C'est ta faute. T'as dit je gère. Bah oui, j'ai beaucoup d'argent. Moi j'ai dit, c'est pas ma carte. Non, mais c'est la banque aussi, sérieux. T'avais un budget. Mais eux ils m'ont niqué. Voilà, c'est-à-dire là on est bloqué, il nous reste juste à manger du pain de mie nature sans rien. C'est incroyable, avec des chips au fromage et des canettes de coca. Franchement, je suis vraiment fils de pute. En plus que je vole leur arène, je vole leur Pokémon chez eux. Je m'en bats les couilles des Pokémon. Moi je veux dormir, je veux manger, je veux chier. On va vraiment dormir là? Bah là on est bloqué là. Je dors sur les deux sièges. Hein. Ah, attends, regarde, il y a une voiture là-bas, on va siphonner le réservoir si c'est une diesel. Non, c'est pas bien. On va attendre que ton plafond revienne tranquillement et puis on reprend la route. Voilà, avec Kenny on a fait un petit arrêt dans une petite ville. Moi je mets même le GPS pour mettre une adresse, c'est faire une erreur. Mais on est dans le trou du cul du monde. Pas de la France, du monde. Regarde, on est où? On est... Comment ça s'appelle ici? Oinax, on est Yanax. Docteur Farjon. Wow. Oh, on est complètement épave. Regardez comment c'est pourri Oinax. Oh les gens, écoutez-moi bien. Ceux qui habitent à Oinax, c'est quoi, suicidez-vous? Non mais tu sais qu'il y a plein des abonnés ici. Hein. Sérieux? La dernière fois je suis mis, il y a plein de gens qui sont venus me voir. T'as pas vu sur Twitter? Non, j'ai pas vu. C'est des malades. Mais mec, c'est pourri ici, c'est pourri. Je sais pas comment ils font les gens pour vivre ici, c'est sinistré. Regardez les murs dehors. Là on est en centre-ville. Hein. Genre c'est le centre-ville ça. Tu vois, Woody Tété, les toutes premières là. Waouh. C'est chaud mec. Bon bref, notre mission c'est de trouver un hôtel. Il y a que 3 hôtels de merde dans le centre-ville. Impossible de prendre une chambre la nuit. Pas de réception. On est dans la merde, on va dormir dans le camion. On en a essayé deux là. On voulait se reposer, tu vois. C'est mort. On dort devant les caméras. C'est une ville de mort-vivant là. Waouh. Regardez comment c'est sinistré, regardez. Tu sais même pas ce que c'est. C'est une dinguerie. Voilà, on est le matin, on n'a même pas dormi. Enfin, moi j'ai surtout pas dormi, on est calé dans un parking. On n'a pas réussi à trouver une chambre d'hôtel. Je vais vous raconter ce qui s'est passé tout à l'heure avec Kenny. On avait trouvé un hôtel. Et en fait, on n'a pas trouvé d'hôtel, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de truc automatique, il n'y a pas d'Ibis budget, y a rien. On est enfermé dans un parking. Bref, ce qu'on va faire, on va se reposer un peu dans le camion, on va reprendre la route. Et vous avez vu l'avion là? Ah ben c'est pas un avion, c'est un ovni. On va reprendre la route. Et là on est à Oyonnax. C'est la ville la plus pourrie de France, d'accord? Et on va reprendre la route direction Brest. On va traverser toute la France de est en ouest en espérant que les choses se passent. Et puis, je vous dis à tout à l'heure sur la route. Donc là, on est sur une aire de repos pour se reposer. On a conduit combien d'heures là depuis aujourd'hui? Là, on est à. Aujourd'hui, on est à 5 heures, je crois, au plus peut-être, non? Ouais, je crois. Hein. On est parti tard, on a eu un problème technique. Bah, 5-6 heures. Voilà. On a un problème technique. Voilà, et du coup, là on est sur une aire de repos. Vous voyez, c'est une station, on va pas faire de pub à Total, d'accord? Donc on est sur une aire de repos et on part ce soir. Attends, on dit ce que t'as dit? J'ai dit là, on est sur une aire de repos et on va pas faire de pub à Total.
Et du coup, ce qu'on va faire, on est reparti pour 5 heures ce soir d'affilée. Du coup, hier on a fait combien d'heures hier déjà? 4 heures. Non, non, 4 heures pour aller chez Dra et 5 heures pour. Non, 1 heure de plus pour revenir chez. Ça fait 6 heures. 6 heures plus 5, ça fait 11. Ce soir, on va rajouter 4, on va rajouter 5, ça fait 16. Il nous reste exactement 4 plus 4. Il nous reste 8 heures pour demain faire Brest-Paris. Mmh. Ce soir, on va arriver à Brest. Quel cauchemar. Quel cauchemar. T'as conduit combien de minutes? Sans monter, t'as même pas touché le volant. C'est moi qui ai tout fait. Ouais. Donc voilà, petite pause là, ici, voilà, c'est les frites du McDo. Moi, j'ai pris, voyez, moi j'ai pris des pommes, d'accord. Lui, il a pris des frites parce qu'il a besoin de patates. Et puis voilà, on s'est reparti et puis voilà. Quand on est reparti sur la route, ouais. On est reparti sur la route. Ouais. Il y a un insecte, il est mort sur le pare-brise. C'est plus un insecte, frère, c'est un animal. C'est plus un insecte. Regardez la tache. Elle fait au moins 5 cm, frère. Donc voilà, on est reparti. Dernière ligne droite, on a dépassé la moitié. Donc là, on rentre dans le 3 quarts, d'accord? Non, ouais, dans le 3 quarts. Ouais. Et puis voilà, donc il nous reste 4h30 de route avant d'arriver à destination, avant de repartir. Moi, j'ai une question à te poser. Et quoi? Comme Boyonnax, c'était la pire ville de France. Ouais. Brest, c'est quoi? Alors, toute la Bretagne, c'est considéré comme. Comme la pire région de France. Quimper, Morlaix, Brest, Vannes. Il n'y a même pas besoin de Vannes. Nous sommes enfin dans le Finistère. Regardez, hein. Plestin, les Grèves, Guéralès, Couscous, Couscous, Carbine. Là, on vraiment. On est en Bretagne, c'est ça? C'est un couscous royal. C'est un couscous royal kebab. Donc voilà, il a plu dès qu'on est arrivé, hein, moins de 100 km de Brest, on s'est pris une averse, mon frère. On s'est fait cracher dessus, frère. Et c'est un truc de malade. On a à peine arrivé en Bretagne, direct le temps, bim bam boum. Tu vois? Donc là, on rentre. On a combien de kilomètres? Regardez le panneau là. Hop, hop, hop. On est à 76 km de Brest, c'est-à-dire dans 76 km on aura traversé la France. Il y a un gars, il a dressé son chien ici. Morlaix. Il s'appelle Morlaix. Il y a un chien, il a fait quoi? Il a dressé son chien ici. Morlaix. Pas mal, pas mal. Merci. Donc dès qu'on arrive, on fait une petite vidéo, on fait un débriefing, d'accord? A tout de suite. Allez, dis-nous tout là. Ah mais mec, je suis en train de péter un câble là, c'est bon, c'est trop tard maintenant. Déjà, dis-nous quelle heure il est. Il est 6h. Il est 6h du matin. Je suis en train de devenir fou, là on vient de quitter Brest. Regarde, hein. Hier, on arrive à Oyonnax. Dans la ville, il y a 3 hôtels. Les 3 hôtels, il n'y en a aucun avec des réceptions. C'est-à-dire on pouvait même pas dormir. Du coup, on n'a pas dormi. L'après-midi, on a pris la route. On est parti jusqu'à Brest. On arrive à Brest. Il était quelle heure? 2h du matin. Ouais. Ça veut dire qu'on a fait 1000 km, mec, d'un coup, en une journée, en une après-midi. On a fait 1000 km. Le compteur, il était à 1600 km. Donc 10h. De 10h. Non, 8h de route. Mec, on arrive à Brest. On fait ce qu'on a à faire. Tous les hôtels, ils sont complets. Tous! Le plus pourri des hôtels jusqu'à 4 étoiles, mec. On a été voir des chambres, même des chambres à 200 euros, des chambres à 30 euros. Ils sont tous complets. J'ai pété un câble. Je dis, oh, je suis dans le dernier hôtel, on a vérifié. J'arrive à la réception. Parce qu'attention, hein, ça sert à rien de réserver un hôtel. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, ils vont dire, ouais, mais t'as pas réservé. Non, 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 non. On arrive à 2h du matin. Ça veut dire que je peux réserver que dans les hôtels qui sont des réceptions de nuit. S'ils n'ont pas de système prévu pour récupérer les clés de la chambre, c'est mort. Donc, du coup, dernier hôtel qu'on a fait, réception de lui, ils ont dit quoi? Ouais, mais il n'y a plus de place. Je dis, comment il n'y a plus de place? Je me suis énervé, hein. Je dis, comment il n'y a plus de place? Pourquoi il n'y a plus de place? Qu'est-ce qui se passe à Brest? On est en Bretagne, on est à Brest. Il pleut. Il se passe quoi? Il se passe rien. Normalement, il y a de la place.
Je te jure. Il a dit oui, mais il y a un match de handball. Quoi? J'ai dit, mec, j'ai pété un câble devant la meuf, hein, je te jure, j'ai pété un câble. Moi, je suis personne, on regarde t'étais le handball. T'étais pas là, toi. J'ai dit à la meuf, j'ai dit, comment ça? J'ai dit, on est à Brest, il pleut, il y a un match de handball. S'il y a personne qui va voir du handball, qui regarde du handball, frère? Qui? J'ai dit, qui? J'ai dit, qui? J'ai dit, tu veux pas me donner de chambre? Dis-le moi, non, j'ai pas de chambre, je t'en donne pas. Je te jure, je m'en vais. Là, je suis là, en vrai, je suis énervé. Je suis énervé, ça fait deux jours que j'ai pas dormi, ça fait deux jours que je me suis pas lavé, je pue le fou, je pue le chien, mec. Regarde, j'ai les mêmes habits depuis le début de la vidéo, frère. Toi, tu rigoles, mais moi, j'en veux plus. Non, mais si, je comprends. Moi, je me suis pas lavé les dents depuis deux jours. Voilà. Donc, du coup, impossible de trouver un hôtel. Oh, on est des clochards. Des clochards, mec. Là, moi, je suis au bout de ma vie. Et là, on a repris la route direction Paris. Là, on rentre, c'est fini, là. Les 24 heures, ils sont passés, mec. On est que parti quand? Moi, je sais pas. On est parti hier soir. Non, parce qu'il y a deux jours. Hier soir, 21h, vendredi soir. Même pas hier soir, on est parti. Non, on est parti vendredi soir, wesh. On est parti vendredi soir, 21h. On est dimanche, il est 6h du matin, on est encore sur la route, frère. Wow. C'est quoi, c'est les 24h du Mans ou c'est les 48h du Mans? Pourquoi tu rigoles, bâtard? je suis en train de péter du rythme, je vais faire un accident là. Là, je veux plus. En plus, on est en Bretagne. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, on roule, il n'y a pas une aire de repos, il n'y a pas d'autoroute. Parce qu'en Bretagne, attention, les gens, faut le savoir, en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. C'est des ports. Là, c'est des gros ports. En Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. C'est des voies express. Il n'y a pas d'aire de repos, il n'y a pas de station service, c'est rien. Ça veut dire que là, à 200 km à la ronde, frère, il n'y a rien. Tu vois? Moi, je ne comprends pas les Bretons, moi, qui restent en Bretagne. Enfin. Oh! Moi, je suis breton, je porte plainte contre le préfet de la Bretagne. Non, mais c'est trop! Tu rigoles, mais c'est trop! Eh bien, on abandonne le camion, on se fait des nouvelles cartes d'identité, on rentre en train. On rentre comment? On rentre en train, on abandonne le camion. Mais t'es fou, faut le rendre le camion, mec. Hey, le camion, on a pris que ta carte, hein. Tu te rends pas, c'est ta conscience, la conscience sur ton compte. Eh mec, tout l'argent que t'as, t'as plus de sous. Vas-y, on rentre. Vous quittez une zone de contrôle. Oh, y a un hôtel là. C'est un hôtel où je rêve. Restaurant. Non, c'est un restaurant. Inter-hôtel. BNB, on y va. Vas-y. Attends. Putain, la sortie, elle est avant. Merde. On tente quand même, il est quelle heure? 6h. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas. Le temps qu'on prenne, nanana, 17h, je commence, on va dormir 4h. Sa mère, viens, on rentre. Hey, je dors chez toi, moi, aujourd'hui. Hein? Je dors chez toi aujourd'hui. Pourquoi? Je vais pas attendre devant la porte s'il m'ouvre pas. Mais c'est vrai? Mais comment ça, devant la porte? On va arriver à quelle heure, frère? Au pire, quand on est sur Paris, je leur envoie un message pour savoir qui dort. Hein. On va arriver à 11h, on va rendre le camion. Vas-y, on verra. Après, tu vas rentrer, tu vas arriver à quelle heure? Tu vas le camion, on peut le rendre le soir, non? Le camion? Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu rentres. Tu gardes le camion, tu rentres, tu prends ta douche, tu dors et on va arriver à 11h. Frère, je vais me lever pour 8h, il faut rentrer avant 8h le camion. C'est mort. Tu veux prendre le risque? Non. Vaut mieux pas prendre le risque. Bon bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est de la merde. Les hôtels, c'est de la merde. Les Formule 1, bah, non, c'est pas que c'est de la merde. C'est que les hôtels qui ont des réceptions de nuit ou des machines, des distributeurs automatiques de chambre. Je suis d'accord, mais ils sont tous complets, frère. On est en Bretagne. C'est complet en Bretagne, frère. Il pleut, il y a du brouillard. Oh non, c'est l'été, il pleut. Frère, on arrivait, t'as vu? Et il s'est passé un truc bizarre. Il faisait beau à mort toute la journée. Dès qu'on est rentré en Bretagne, des nuages, vrai, de la pluie. À croire, c'est une frontière et puis c'était là, ils attendaient. T'es, les nuages sont comme ça devant l'autoroute. Ah, il y a des gens. Putain. Ouais, je sais pas, ça, c'est ça. À Paris, back. Après un, back, un, back. Un périple périptueux, d'accord. Donc, Kenny, on a enfin passé le péage de Paris. On a payé combien? 45 euros. Attends, la moulin, pourquoi? Cherche quoi? Attends, la moulin, pourquoi? Tu as mis dans ton sac. Donc, d'accord, on vient de passer le péage, on est bientôt arrivé. On a dépassé même les 24 heures de conduite. On a fait 6 heures Brest,
Donc 2 fois 6, 12. Plus 6 heures en axe. Fois ouais. 2. 12 et 12 qui est égal à 24. Voilà. 6 fois 4 30. Presque. 6 fois 4 24. 13. Oui. C'est bon. Alors, du coup, on a enfin passé les 24 heures. On est parti vendredi soir et là, on est dimanche soir. On rentre, vous voyez, il y a un TGV qui passe à côté. On voit des tags sur les murs, des belles voitures qui nous dépassent. Donc, nous sommes effectivement en région parisienne. Attends, j'arrive parti. Comment on tire? Maintenant, faut soulever. Attends, je vais t'aider. Je te donne un coup de main. Donc, Kenny, on a enfin fait le défi 24 heures de conduite. D'accord. Ouais. On l'a fait en moins d'un week-end. Putain, les beaux gosses. On a eu pas mal de périples, des galères. En tout cas, on va le refaire. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse quoi? On prend une voiture. Ouais. On va tout en bas de l'Europe et on remonte tout en haut de l'Europe. On fait nord-est ou est-ouest, peu importe. On fait tous les pays d'Europe, maximum de pays. Ou un truc comme ça, je sais pas. Ça me fout. Autrement, on va en Thaïlande, on va niquer des travelots. Putain, les fois en business, hein. Des Lady Boy. Non, sinon, on va en Thaïlande en vacances. T'es chaud? Je sais pas, j'hésite. Pourquoi t'hésites? Je veux que j'envoie 10 000 si je veux. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe rien, il y a même pas de bouchon, déjà il freine, il pile là. Zopi. Zopi, bisous, Zopi. Donc voilà, on est en train de rentrer, les gens ils savent pas conduire, vous savez, hein, c'est région parisienne. D'accord. Donc on voudrait un maximum de pouces bleus, que vous abonnez à la vidéo, enfin vous abonnez à la chaîne, et que vous partagez la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et comme dit Kenny assez souvent dans sa vidéo, c'était pour faire plaisir.